Salut tout le monde les amis, on se retrouve aujourd'hui sur Scania Truck Driving Simulator pour le troisième épisode des conduites dangereuses. C'est parti! Donc aujourd'hui les amis, on se retrouve sur la mission inondation. Je vais passer voilà en vue véhicule. Donc pour le troisième épisode, c'est la mission inondation. Donc c'est une ville totalement inondée, on entend la sirène qui retentit. Donc on va devoir passer là-dedans, vous allez voir, il y a des débris un peu partout. C'est pas très difficile, mais en attendant ça allait vite sur cette mission. Et il faut pas dans certains passages, vous allez voir ça. Ce que je vous propose, c'est d'ores et déjà d'y aller les amis. Alors on démarre le moteur, je passe la seconde et c'est parti. Des petits codes. Donc ici, aucune difficulté. On va essayer de serrer quand même bien à droite. Voilà, pour ce virage-là qui est relativement glissant. Il faut bien faire attention aux poutres qui dépassent de chaque côté. Tac, et voilà. Ce que je vous disais, c'est exactement l'exemple type. Ça glisse, faut faire attention. Donc je continue, c'est vraiment la première... Premier essai, c'est bon, plutôt une démo qu'autre chose. Ouais, bon, là, je pensais pas vraiment toucher. J'étais un peu surpris. Bon, on va recommencer. C'est parti. Ah, c'est pas vrai. J'essaie vraiment de me rabattre le plus possible, mais il faut quand même faire un peu attention. Je sais pas la première fois que je me fais avoir. Alors ici, on risque pas de toucher les branches à droite, et donc vous pouvez serrer dès le début, il n'y a pas de problème. Ouais, je me sens un peu du rétro pour une fois. Ouh, j'ai le genou qui a craqué en freinant. Alors moins bien passé que la première fois, mais bon, on s'en sort, j'enlève les rétros, j'ai failli me payer la poutre encore une fois. Ok, les voitures, pas trop de difficultés. Cela dit, je devrais me les payer quand même au moins une fois, je pense. Ok. Bon, j'ai déjà battu mon temps, mais bon, je m'étais vraiment pas embêté sur cette mission, donc je pense qu'on peut faire mieux. On va réessayer, voilà. Tac. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, c'est une mission qui est vraiment rapide. Hein. Alors, évidemment, l'épisode aussi sera rapide. Ah, je me suis raté là, dès le début. Là, dès le début, c'était pas bon. J'ai pris le virage trop large. C'est bien que je me sois décalé avant, mais j'aurais dû reprendre avant le virage qui suivait, me préparer plus tôt. Voilà, et dès ici, il faut commencer à tourner. Et encore. Hein. Là, je suis arrivé trop vite, du coup, j'ai freiné et du coup, j'ai bloqué les roues avant. Et ça glisse, c'est pas bien, c'est pas ce qu'il faut faire. J'ai freiné un peu tôt. Perdu du temps. Et on s'en sort pas mal quand même. Ok, on peut quand même faire encore mieux que ça, les amis, je pense. Hein. Allez, c'est parti. Ah non, peut-être que je démarre. Allez. J'ai failli oublier de rétrograder.
qu'on n'est pas trop mal. Ah non! J'étais bien dans l'esprit, les amis. Allez, on se le refait une autre fois. J'ai pas assez serré à droite après la voiture. Ça, c'est qu'au bout d'un moment, voilà, quand on arrive à une certaine vitesse, faut pas se tromper, quoi. Faut bien penser à. Enfin, on n'a pas tellement le choix, quoi. Faut faire à tel moment, il faut penser à tourner, sinon c'est pas bon, quoi. Voilà, y a pas. C'est à un moment précis, ça se joue à peu de choses. Allez. Essayer de faire ça un peu proprement. C'est bête les amis, parce que j'essaie de bien passer. Mais c'est ce qu'il faut faire, faut essayer de. À part au début, il faut assurer, mais au bout d'un moment, si on veut s'améliorer, je pense qu'il faut quand même essayer de bien racler le plus de millimètres dans chaque virage. Et voilà, c'est ce qui me coûte à chaque fois. Dis donc là, faut que j'arrête de parler, que je me concentre un peu là, parce que je commence à faire des bêtises, dis donc. Hein. Allez, on s'applique Xenix. Alors là, j'ai pas du tout freiné plus parce que je me suis dit j'ai déjà suffisamment freiné, ça passe pas, ça passe pas. Et si je freine plus, bon, ça aura plus aucun intérêt, j'aurai trop ralenti. Alors il faut freiner au bon moment, je pense qu'il faut freiner peut-être un peu plus tard, mais suffisamment aussi. Je sais pas. Là, je vous avoue que je suis un peu perdu. Allez, on recommence. Concentration. Concentration, Zenix. Allez, go. Bon, peut-être faire un temps là. Peut-être. Là, cette fois-ci, je serre bien. Je serre trop. Quelle bouse. Ah là là. Bon, c'est pas grave. Bon, je fais une seconde de plus. Je pense que j'ai gagné du temps au début et j'en ai perdu à la fin. Bon, on va regarder ce que ça donne. Stop, stop, non, pause, pause, pause. Oui, bon, ça va aller. Allez. Clac. Bon, rien de difficile sur le début, les amis. Je vous ai quand même pas mal expliqué l'épisode. Tout en conduisant. Si, voilà, bien serré à droite. Faut freiner quand même relativement tard pour mettre le poids sur les roues avant et donc assurer de l'adhérence aux roues avant. Ce passage-là, faut essayer de le faire au maximum en ligne droite. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai touché quand même une ou deux fois. Donc, pareil ici, hein, faut pas marquer trop le virage, mais suffisamment pour pas se tromper. Donc celui-là, j'ai pris un peu large, hein, là, je vous l'avoue. Mais en même temps, j'étais dégoûté de me l'être raté le coup d'avant. Je pense que c'est quand j'ai bloqué les roues le coup d'avant que j'ai vraiment perdu. Bon, les amis, bon, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut sur ce jeu. Je vous souhaite à tous un excellent jeu et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!